They were sealed off in hundreds of camps like these. This is a sacrifice. It's theater. If you care so much, then why don't you just buy them new sleeves? You're saying because I cannot fix everything, then I shall fix nothing at all. Voici un petit chat mignon. Très fier de lui, il disait à l'un de ses amis l'autre jour « Moi, je ferme toujours le robinet d'eau pendant que je me lave les dents, et j'essaye de passer un peu moins de temps sous la douche. L'eau douce est une ressource rare. Grâce à moi, de nombreux litres sont ainsi économisés chaque jour. » Pas mal, lui dit son ami. « Mais dis-moi, tu manges de la viande, toi ?»« Bah, bien sûr, répond le petit chat mignon. Quelle question ? Rien de tel qu'un bon steak. Sais-tu qu'un kilogramme de steak nécessite 15 000 litres d'eau pour être produit ?» Le petit chat mignon est sceptique. 15 000 litres ? Ce n'est pas possible. Ils passent à la piscine avant d'aller à l'abattoir, tes bovins. Son ami lui répond amusé. Non, bien sûr que non. Mais il faut du temps pour que l'animal grandisse et développe des muscles assez grands pour faire de juteux steaks. Cette période de croissance dure typiquement 18 mois, durant lesquels il faut non seulement abreuver les animaux, mais aussi les nourrir avec des plantes qui elles-mêmes ont consommé de l'eau pour grandir. En fait, une miette de steak d'un gramme coincée entre tes dents et que tu éliminerais au brossage représente à elle seule presque deux packs d'eau vidés dans l'évier. La production de viande est, en général, un véritable trou noir à ressources. Bon, je crois qu'on a compris, arrêtons là. Nous avons tous des choses qui nous tiennent plus ou moins à cœur et qui guident nos comportements. Le petit chat mignon par exemple, peu importe ses raisons, il s'est mis en tête de consommer moins d'eau. Pour certains, l'objectif c'est de devenir millionnaire. Pour d'autres, c'est d'éviter le cancer ou de réduire ses émissions de CO2, de gagner du muscle, de maigrir, d'augmenter son nombre d'abonnés Instagram. Souvent, dans ces choses qui nous tiennent à cœur, certaines entrent en conflit les unes avec les autres, et il faut alors faire des choix. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous donner un avis sur le bien ou mal fondé de ce qui vous tient à cœur. Si votre truc, c'est le combat contre la vaccination obligatoire par exemple, ça vous regarde. J'ai bien sûr un avis sur la question, mais vous ne l'entendrez pas dans cette vidéo. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est discuter des stratégies que nous mettons en œuvre pour arriver à nos fins, peu importe ces fins. Trop souvent, nous nous y prenons mal, parfois au point d'obtenir des résultats contraires à ceux souhaités. Et presque toujours, même si les choses vont dans le bon sens, de vastes améliorations sont possibles. Voici un père et sa fille. Depuis quelques années, la fille a pris ses distances avec le père. Oh, il n'y a pas une raison particulière à ça, ce sont simplement les aléas de la vie. Le problème, c'est que le père en souffre. Jouer un rôle dans la vie de sa fille lui tient à cœur. Alors maintenant, quand sa fille daigne quand même lui passer un coup de fil, ça ne rate pas. Le père lui reproche de ne pas appeler plus souvent. Dernièrement, le ton est monté. Voyant que malgré ses reproches, sa fille n'appelait pas davantage, le père l'a traitée d'ingrate. Il lui a rappelé avoir payé ses études, ses nombreuses vacances en Espagne et même une partie de sa voiture. Cela fait 6 mois qu'il n'a plus de nouvelles. Le père s'y est très mal pris. S'il veut vraiment faire revenir sa fille vers lui, il faut qu'il adopte une autre stratégie, celle basée sur le reproche et la culpabilisation n'ayant visiblement pas marché. Existe-t-il une stratégie parfaite permettant au père d'atteindre son objectif à coup sûr et vite? Je n'en sais rien. C'est très dur de trouver des solutions absolues à nos problèmes. Dans tous les cas, un changement d'approche s'impose et je n'ai pas de doute qu'il obtiendra de meilleurs résultats en disant à sa fille quelque chose du genre « Écoute, je suis désolé de m'être emporté la dernière fois. » La vérité, c'est que tu es ma fille, je t'aime et je souffre de moins te voir. Que dirais-tu de passer à la maison et que je te fasse ton plat favori? Ou encore, cela fait 6 mois que je n'ai plus eu de tes nouvelles. J'en suis triste et je réalise que tu mérites mieux que des reproches de ma part chaque fois que tu m'appelles. Je suis fier de toi et j'aimerais continuer à avoir un rôle dans ta vie. Reprenons le cas du petit chat mignon au début de la vidéo. Le concernant, les choses vont dans le bon sens. Malheureusement, pendant que sa consommation d'eau sous la douche accapare toute son attention, il a complètement raté le colossal coût en eau de son alimentation. Et si ça se trouve, il y a peut-être des postes de consommation d'eau bien plus importants encore dans sa vie. Quelles que soient les choses qui vous tiennent à cœur, l'un de vos pires ennemis si vous souhaitez obtenir des résultats, de vrais résultats, c'est selon moi le manque de perspective. Le petit chat mignon en manque clairement, mais il n'est pas le seul. Voici Gainsbourg. Le truc qu'il obsède, lui, ce sont les germes. Il se lave d'ailleurs les papattes près de 10 fois par jour, quitte à les abîmer. Dans sa tête, l'endroit le plus sale à la maison, ce sont les toilettes. La lunette de ses WC en particulier, sur laquelle il doit régulièrement poser ses petites fesses, est source de ses pires cauchemars.
En 2011, la NSF, un organisme de santé publique aux États-Unis, a analysé la propreté de 22 ménages. Dans chaque ménage, des prélèvements ont été réalisés aux mêmes endroits, 30 au total, sur le portefeuille, sur le lecteur MP3, etc. En moyenne, alors que les micro-organismes se comptent en dizaines par 10 cm carrés de clavier, de clés ou de télécommande, ils se comptent en centaines par 10 cm carrés de lunettes de toilette ou de plans de travail dans la cuisine. L'horreur! Mais en fait, c'est une blague comparée aux millions qui font la fête dans le gobelet des brosses à dents et aux centaines de millions qui développent une civilisation sur votre éponge de cuisine. Pendant que la lunette des toilettes de Gainsbourg a accaparé toute son attention, il a raté la nécessité de changer son éponge à vaisselle et de laver le gobelet contenant sa brosse à dents le plus régulièrement possible. Je ne dis pas qu'on se fiche de sa lunette de WC. Je dis juste que si les germes l'inquiètent à ce point, il y a clairement d'autres trucs qu'il faut qu'il cible aussi. Autre exemple, Riglis se bat contre la souffrance animale. Pleine d'énergie, elle tente régulièrement de convaincre de parfaits inconnus qu'il ne faut acheter que des produits cosmétiques n'ayant pas été testés sur des animaux. Pour elle, les scientifiques qui expérimentent sur les animaux sont parmi les pires crapules de la planète. Une fois, elle a même balancé des œufs sur un labo de recherche utilisant des souris. C'est vrai que beaucoup d'animaux sont sacrifiés sur l'autel de la science. Aux États-Unis, en 2016, près de 19 000 chats ont ainsi été utilisés pour la recherche. Les chiens étaient 61 000, les cochons d'Inde 183 000. Des chiffres exacts pour les souris, rats, poissons et oiseaux ne sont hélas pas disponibles, et les estimations varient grandement. Selon l'association PETA, en incluant chats, chiens et autres, on parle au total de 100 millions d'animaux utilisés chaque année pour la recherche aux États-Unis. De son côté, le groupe d'influence Speaking of Research parle de 12 à 27 millions d'animaux par an. Je suis d'accord avec Riglis, peu importe l'estimation, c'est une hécatombe. À côté de ça toutefois, plus de 300 millions d'animaux sont tués par an sur les routes états-uniennes, 150 millions sont tués par la chasse, et surtout, plus de 9 milliards de poulets meurent chaque année dans les abattoirs du pays, souvent après avoir grandi dans des conditions ignobles. Les animaux ne souffrent en outre pas que de la main des êtres humains. Je vais vous lire un passage d'un de mes livres favoris de Richard Dawkins. Le montant total de souffrances par an dans le monde naturel dépasse l'entendement. Au cours de la minute qu'il me faut pour composer cette phrase, des milliers d'animaux sont mangés vivants, d'autres courent pour leur vie la peur au ventre, d'autres sont lentement dévorés de l'intérieur par des parasites. Des milliers meurent de faim, soif et de maladies. Dans un univers où règnent les forces aveugles de la physique et de l'évolution, certains animaux vont se blesser, d'autres vont avoir de la chance, et vous ne trouverez aucune raison, aucune justice à cela. L'univers que nous observons possède précisément les propriétés que nous devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun dessein ou modèle, aucun but, aucun mal ni aucun bien, rien si ce n'est qu'une indifférence aveugle et impitoyable. Dans la nature, il n'y a pas de service d'urgence. On ne reçoit pas une pension passé un certain âge. Il n'y a pas de route, de machine à laver, de chauffage central ou de supermarché. Si nous autres, êtres humains, avons quitté la nature et vivons aujourd'hui dans un environnement que nous avons nous-mêmes façonné, ce n'est pas pour rien. Mais c'est un autre sujet. Si Riglis prend vraiment la souffrance animale au sérieux, elle ne peut pas juste s'arrêter à l'expérimentation animale. Ma suggestion pour elle, à défaut de pouvoir changer comment les choses se passent pour les animaux dans la nature, c'est de se mettre au végétarianisme, voire au véganisme. Prochain été, elle invitera tous ses amis pour un grand barbecue 100% vegan, une façon de promouvoir en douceur cette façon de s'alimenter qui fait tant de bien aux animaux. Nouveau petit chat mignon, lui, il est désireux de produire moins de déchets plastiques. Tous les 3 mois environ, comme le recommandent les dentistes, il achète une nouvelle brosse à dents et jette l'ancienne. Il y a peu, il s'est fait la réflexion que c'était quand même un sacré gaspillage. Tout ça pour, finalement, renouveler les poils qui s'usent alors que le manche de la brosse est encore parfaitement fonctionnel. Après avoir passé un temps considérable à creuser le problème, il tombe sur LA solution dans un supermarché bio. Une brosse à dents dont on change juste la tête et dont on garde toujours le manche. Ingénieux, mais pas donné. Mais bon, c'est pas une question de prix, l'environnement d'abord. Pas mal, ça lui dit un ami. Mais attends, c'est pas toi le petit chat qui ne boit que de l'eau en bouteille ? Et en effet, pendant que le nouveau petit chat mignon dépense son argent et son énergie sur cette histoire de brosse à dents, il rate la montagne de déchets plastiques qu'il produit chaque année juste pour s'abreuver.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les bouteilles en plastique sont de plus en plus souvent recyclées, contrairement aux brosses à dents qui ne le sont en général pas. Mais on est encore loin du 100% pour les bouteilles, hein. Et puis, notre petit chat mignon, il a dit que son objectif c'est de produire moins de déchets plastiques tout court, peu importe que ceux-ci soient recyclés ou pas. S'il est sérieux quant à sa volonté de réduire ses déchets plastiques, il se mettra à l'eau du robinet en plus d'acheter une brosse à dents dont on ne jette plus le manche. Au passage, contrairement à ce que certains fabricants d'eau en bouteille essayent de nous faire croire, l'eau du robinet n'est pas une eau de moins bonne qualité. C'est d'ailleurs le produit alimentaire le plus contrôlé en général. En Wallonie, la partie sud de la Belgique, l'eau du robinet subit ainsi plus de 100 000 analyses tous les ans. Petit chat mignon suivant. Lui, il a peur d'attraper un jour le cancer et veut absolument s'en protéger. Alors que fait-il ? Il ne mange plus que des produits bio, histoire d'échapper aux résidus de pesticides dans son assiette. Même son petit verre de vin qu'il prend avec le repas du soir est devenu bio. Ah, le bon vin bio. En 2015 en France, l'Institut National du Cancer a sorti un très beau rapport concernant les principales causes de cancer prévisibles dans le pays. Le mot pesticide n'y apparaît pas une seule fois. Il n'y a rien dans ce rapport concernant les résidus de pesticides dans l'assiette qui font si peur aux petits chats. C'est pas que l'Institut National du Cancer a oublié d'en parler, hein. C'est surtout que sur base des connaissances actuelles, on n'a aucune raison de croire que ces résidus posent problème. En revanche, et c'est bien dommage que le grand public n'en parle presque jamais, on a des raisons très sérieuses de croire que la consommation d'alcool pose problème. Selon le rapport, c'est même la seconde cause de cancer prévisible en France, juste après le tabagisme. Le petit chat me dit « Ok, mais ça peut pas faire de mal d'avoir moins de résidus dans ma gamelle, alors laisse-moi tranquille avec ça. » C'est vrai. Mais l'objectif du petit chat, rappelons-le, c'est d'éviter le cancer. S'il est vraiment sérieux avec ça, s'il veut de vrais résultats, il faut qu'il se mette à cibler d'autres choses que ses résidus. Moi, je lui suggère de revoir à la baisse sa consommation de vin, peu importe que ce vin soit bio ou pas. Et puis aussi, il faut que le petit chat prenne conscience que bio, ça n'a jamais voulu dire sans pesticides. Bio, ça veut juste dire qu'on se restreint à utiliser des pesticides dits naturels, un critère qui, hélas, n'est pas gage de sûreté ni pour la santé, ni pour l'environnement. Gardez bien à l'esprit que la plupart du temps, ceux qui manquent de perspective sont réellement de bonne volonté. Si quelqu'un vient vers vous pour parler d'un truc qui lui tient à cœur et que vous découvrez avoir plus de perspective que lui sur ce truc, pas besoin de prendre cette personne de haut ou de vous moquer. Je sais, c'est pas facile. Mais si le but c'est d'aider cette personne à faire mieux, il est indispensable de montrer patte blanche et de ne pas braquer la personne, faute de quoi votre intervention ne fera aucune différence. À quoi jouez-vous ? N'oubliez jamais non plus que, tôt ou tard, vous serez confronté à une situation où c'est vous qui manquerez de perspective. Personne n'est expert en tout. Parfois, il arrive que certains prétendent avoir un truc A à cœur, alors qu'en réalité, ce qui leur tient vraiment à cœur, c'est un truc B. L'exemple classique, c'est la personne dont B est le besoin de validation sociale, mais qui n'ose pas l'avouer ou n'en a même pas conscience. Par exemple, afin de plaire à ses collègues écolos, Jean prétendra comme eux avoir à cœur la diminution des rejets de CO2 dans l'atmosphère. Il leur dira, lors d'une pause midi, « Je suis bien d'accord avec vous, il faut réduire ces émissions de CO2. Dernièrement, j'ai appris que repasser un t-shirt, c'est 25 grammes de CO2 dans l'atmosphère, vous le saviez ? Moi en tout cas, je ne le fais plus. Fin de l'année, j'espère avoir économisé ainsi plusieurs kilogrammes de CO2. » 3 mois plus tard pourtant, Jean s'est offert un aller-retour Paris-New York en avion, ce qui représente plus d'une tonne de CO2 larguée dans l'atmosphère, rendant presque ridicule son histoire de t-shirt non repassé. On sent qu'il y a ici un potentiel d'aider Jean à faire mieux avec ses émissions, mais ce serait selon moi contre-productif, car ce qui lui tient vraiment à cœur, ce ne sont pas ses émissions de CO2, mais bien de plaire à ses collègues. Concentrons-nous plutôt là-dessus. Aidons Jean à trouver une meilleure stratégie que de faire semblant de se soucier du CO2 afin d'arriver à ses fins. Toi qui me regardes, quelles que soient les choses qui te tiennent à cœur et pour lesquelles tu veux des résultats, mon conseil est le suivant. Commence tout d'abord par coucher ces choses par écrit. Cela te forcera à mettre de l'ordre dans tes idées et t'aidera à faire le tri entre ce qui mérite ton temps et ton énergie et ce qui ne le mérite en fait pas. Souvent, après un peu d'introspection, on réalise assez vite que beaucoup des choses qu'on croyait importantes pour nous ne le sont en fait pas tant que ça, et résultent de ce fichu besoin de validation sociale. Ta liste faite, jette-toi à l'eau. N'aie pas peur d'adopter des stratégies potentiellement mauvaises au début, n'aie pas peur de te retrouver dans la situation de nombreux petits chats dans cette vidéo. La seule chose qui importe, c'est qu'une fois lancé, un travail d'optimisation permanent doit s'enclencher.
Il s'agit de régulièrement remettre en question la façon dont tu fais les choses et d'être toujours à l'affût de nouvelles et meilleures façons de t'y prendre. Méfie-toi des décisions prises sur le coup de l'émotion, dans la précipitation, le stress et la panique. Sois toujours prêt à embrasser une plus grande perspective que ce qui est la tienne à un instant donné. Et enfin, réalise bien qu'il n'y aura jamais vraiment de fin à ta quête d'efficacité. Quoi que tu fasses, il y aura toujours moyen de faire mieux. L'une des choses qui, moi, me tient à cœur, c'est de pouvoir continuer à partager mon amour des sciences et de la pensée critique au plus grand nombre. Si tu veux m'aider à arriver à mes fins, voici les deux choses les plus efficaces que tu peux faire. Me laisser un pourboire sur Utip ou Tipeee, ou partager mes vidéos autour de toi et t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, à ce propos, sache que les vidéos du Chat Sceptique seront à partir de maintenant diffusées avec quelques jours d'avance sur Peertube, l'alternative libre à YouTube. J'espère pouvoir compter sur ton abonnement là-bas aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite.